Salut à tous, c'est Sifax. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va faire un parcours sans sauter. Et j'ai le droit à 5 jokers. Ça veut dire que là, je vais faire un parcours. C'est l'un des plus faciles de Roblox. Et le but, ça sera de ne pas sauter. Et j'ai le droit à seulement 5 jokers. 5 jokers, en gros, quand je dis joker, eh ben, j'aurai le droit de sauter. Et j'ai que 5 chances. Bon, déjà, on peut voir que c'est vraiment l'un des parcours les plus simples de Roblox. J'ai vu, il y a 50 niveaux. On doit essayer de le finir sans sauter plus de 5 fois. On a le droit à 5 sauts. Je pense que je vais pas essayer de les gaspiller, mes jokers. Puisque, bon, on en a besoin quand même. Je vais juste un peu baisser le son du jeu parce qu'il est assez fort. Voilà, c'est mieux comme ça. Bon, déjà pour l'instant, ça commence plutôt pas mal. Il y a des échelles, tout est en multicolore. Je vais baisser un petit peu. Le jeu il est assez simple. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de complication. Pour l'instant, on n'a pas réellement besoin de sauter. Déjà, on a fait 10 étapes, ça va vraiment vite. Bon, là, je pense que c'est le jaune. Non, même pas. Dommage. Ah, ça prend du temps. Le rouge, après, j'aurais dit tout droit. Non, le jaune. Ok, je pense là, c'est rouge, vert, bleu. J'aurais dit ça. On va essayer. Et c'est ça. Bon, là, c'est un peu un tunnel multicolore. Ça va, c'est bien. Pour l'instant, on n'a pas sauté. Toujours zéro saut. Là, on n'a pas besoin également. Après, je pense qu'il y aura... Je sais pas, en fait, si un moment, on sera obligé de sauter. Ça, c'est sûr. Déjà, là, ça se casse derrière nous. Ah, ça, c'est juste... des échelles, rien de compliqué. Après, je voulais vous dire aussi, n'hésitez pas à me mettre une map en commentaire avec un défi. Ça veut dire vous mettez le nom d'une map que je dois faire en vidéo et un défi, par exemple, finir en moins de 10 minutes ou ne pas sauter, etc. À vous de choisir et je le ferai en vidéo. Bon, là, il faut que je saute. Ah, non, j'ai sauté. J'ai sauté. Ah, du coup, il me reste que 4 chances. 4 chances. J'espère que je vais le réussir, ce challenge. J'espère, hein. Dites-moi en commentaire si vous pensez que je vais le réussir. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche des notifications. Comme ça, vous allez recevoir des vidéos quand j'en sors une. Et il y aura une vidéo par jour pendant les vacances. Bon. Pour l'instant, là, c'est facile. C'est un peu des boss. C'est facile. Quand on marche, on dirait que ça bug bizarre. Bon. Oh non! Oh non, j'ai sauté, du coup il me reste 3 jokers, 3 jokers, oh non, en plus je saute sans faire exprès, en plus on n'avait même pas besoin de sauter, c'était vraiment simple, c'est puisqu'en fait mon doigt il est sur la touche pour sauter, donc ça me donne envie d'appuyer, là aussi j'ai envie de sauter mais je le ferai plus, c'est bon maintenant je fais plus l'erreur, du coup il me reste 3 jokers, enfin 3 chances, voilà. Pour l'instant, ça va, c'est pas trop compliqué. On a fait déjà 44% du niveau. Là, ça glisse, j'ai l'impression. Ah, c'est un toboggan, ça veut dire qu'il faut se lever avec la touche. Bon, là, on va... Ah non. Bon, là, on va dire que j'ai le droit de sauter. Ça compte pas, puisque c'est un toboggan. Voilà, donc c'est un peu obligatoire. Oh non. Oh non, il faut sauter. Bon, il me reste 3 chances. 1, 2... et 3. Ok. Ok, ok, ok. Pour l'instant, c'est bon. Pour l'instant, c'est bon. Oh non. C'est bon. Là, j'ai plus de joker. Oh non. Ah oh. Je pense vraiment que c'est réellement impossible. Non, c'est impossible. Parce que, regardez, en gros, je vous explique. Là, il y a un petit écart ici. Alors que ici, il y a un plus grand écart. Et donc, je pense que c'est complètement impossible. Bon, vous savez quoi, on va me rajouter hein, encore 2 chances. Par contre, là, c'est les 2 dernières chances pour pouvoir sauter une. Là, je peux. Ok, là, je peux pas. Ah, donc, dans tous les cas, j'avais besoin de ces 2 chances. Parce qu'en fait, sinon c'est impossible. Maintenant c'est bon, on n'a plus le droit de tricher. Je vais réellement faire le parcours. Là, j'ai le droit à aucune chance. Aucun saut. Et le but, c'est d'aller le plus loin possible. En fait, je voulais
Là, on a le droit en Hachi. On a Hachi quand c'est des toboggans et qu'on est par terre, on a le droit. De toute façon, là, j'ai même pas sauté. Bon, bref. On va continuer tout ça. Oh lolo. Oh, let's go! C'est quoi? Ah! Ah, mais c'est un pop-it un peu. C'est des pop-it, puisque ça fait le son du pop-it. Voilà. C'est bien, on dirait un œuf. Une omelette. Bon, là. Ah, ça se casse derrière nous. Ok. Ok. Bah, ça va pour l'instant, c'est sorti. Oh non, ça, je crois, c'est obligé de sauter. On est obligé de sauter. Est-ce qu'on peut prendre ça? Ah non, c'est payant. Et ça? Ah, c'est payant. Bon, les amis, je pense qu'on devra s'arrêter là. Malheureusement. Oh, il y a Feu Rouge Jumper! Malheureusement, on a raté le challenge. Bon, je dois vous laisser ici pour cette vidéo. Puisque malheureusement, on n'a pas pu finir ce challenge. Puisqu'il fallait que je saute. Donc, on a fait 57% du parcours et 29 étapes sur 50. Donc, c'est déjà pas mal. Bon, je vais vous laisser. Allez, au revoir.